une tueuse, hein, la meilleure. Il n'y a pas à dire. Là, tu connais, c'est la meilleure. Elle représente le sud en plus, tu connais la Provence. Elle est Al. Elle est Al, la Kenny, elle est Al. Ouais, trop d'émotions de toute façon, on est là, trop d'émotions. Est-ce que c'est la première fois que tu vois Kenny Arcana? Ouais, ouais, première fois, ouais. Et le Clandestino Festival, qu'est-ce que t'en penses? Lourd, ouais, lourd, mais Kenny Arcana au-dessus du Clandestino. Attends, même pas parler, même pas parler du Clandestino. Kenny Arcana, tu reconnais. Elle nous reconnaît de toute façon, elle sait, tu reconnais. Et le Fetizou, s'il faut le faire parler, il faut lui faire dire son impression au Fetizou. Bah, si vous pouvez dire quelques mots à la caméra, qu'est-ce que vous avez pensé pareil du concert? Ouais. Eh ben, c'est la première fois que je vois Kenny Arcana en concert. Et ça fait plaisir de voir une artiste comme ça qui propage un bon message. Et il faudrait plus d'artistes comme ça. Au lieu de plébisciter des artistes qui racontent des cochonneries pour les jeunes et tout, ça sert à rien. Il vaut mieux écouter du Kenny Arcana. Et le Clandestino Festival aussi, il faut des festivals plus souvent comme ça, où il y a des artistes qu'on voit pas souvent, comme Manu Chao. Là, il y a eu Manu Chao, Kenny Arcana, on les voit jamais. C'est rare de les voir en tout cas. Et du coup, il en faut plus des comme ça. Alors quel morceau en particulier vous avez kiffé ce soir en particulier? Le morceau que j'ai le plus kiffé, ouais, franchement je les aime, j'en aime beaucoup. J'en ai plusieurs. Ouais, tous. Voilà, la rage du peuple, elle m'a fait un truc de fou. Rage du peuple, la rage du peuple, tout le monde, rage du peuple, la rage du peuple. Là, surtout là, en fait, d'avoir. C'est pas ma préférée, on va dire, dans les sons, mais là, sur scène, ça, il y a eu un truc. Et je sais pas, elles étaient toutes trop bien, je me suis régalé de A à Z. Franchement, je vous jure, je peux pas choisir. Merci beaucoup. C'est une maquisarde, elle défend la terre, tu reconnais. Pachamama, elle est là, toujours là, présente. Elle Pachamama, là. Ouais, elle était pas mal, elle ça aussi. Là. Pachamama. Pour le maquis, elle est là. Ben, c'était super cool. Moi, ce que je trouve, après, il faut donner un peu son avis, son point de vue, c'est que ça suit les albums. Genre, sur le live, on retrouve vraiment une énergie en fait que le peut transmettre dans ses albums et qu'il y a des artistes qui font pas. Des artistes qui font pas ça. Ouais, on retrouve vraiment ce qu'il y a. Après, moi, je suis moins fan des nouveaux albums, mais genre la rage du peuple quoi, ça fait toujours la rage du peuple en concert, y a pas à chier, ça envoie grave. Et ça fait d'air, les gens, tout à l'heure il y avait, bon je veux pas citer, hein, ouais, remarque c'est un peu con dans une interview, mais y a des artistes qui font pas ça, tu vois, qui restent plus à la surface des choses, ils font des bons trucs, en prod, y a pas de soucis, les albums ça tourne, c'est cool, ils développent du son. Mais en concert, ouais, ça envoie grave le pâté. Du coup, c'était super cool. Au niveau du message, Moi, j'aime toujours autant ce qu'elle véhicule. Hein. Ah ouais, j'aime toujours autant ce qu'elle véhicule. Puis en plus, c'est une artiste qui écrit super bien, ce qui est assez cool et assez rare de nos jours aussi, faut le dire. Hein. Franchement, en France, c'est pas, c'est bien. Et puis d'avoir des gens qui valorisent le rap comme ça, qui est ce truc. C'est un peu nos générations, les darons ils comprennent pas trop. Et le fait que nous on porte un peu ces styles qui nous sont propres, quoi, je trouve ça hyper cool. Donc d'avoir une plume un peu cinglante là-dedans, c'est cool. Ça fait plaisir. Eh bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et puis je te souhaite une bonne fin de festival. C'est pareil les gars.